Jour historique pour les Pays-Bas. 33 ans, jour pour jour après son couronnement, la reine Béatrice abdique. Son fils aîné, Willem-Alexander, va lui succéder dans les heures qui viennent. Il devient le plus jeune monarque d'Europe à 46 ans. Bonjour François Baudonnet, vous êtes en direct d'Amsterdam. Toute la ville s'est parée aux couleurs de la monarchie, le orange, pour fêter le nouveau couple royal. Pourquoi est-il si populaire ? Eh bien, il est très populaire parce que, figurez-vous, que la monarchie ici aux Pays-Bas est très populaire. La reine Béatrix, qui a régné pendant 33 ans, a eu un règne sans tache, sans scandale. Et puis également parce que son fils, donc Willem-Alexander, est également populaire. Il y a 20 ans, il avait l'image d'un fêtard impénitent. On l'appelait même le prince de la bière. Aujourd'hui, ça a changé. Il est beaucoup plus proche des gens. Et il a demandé, par exemple, qu'on ne l'appelle pas nécessairement majesté. Alors, il y a quand même un petit bémol. Certains Néerlandais estiment que la dotation royal qui est plus de 800 000 euros par an est trop élevé dans un pays qui est en crise, mais ce sont des sentiments tout à fait minoritaires et vous l'entendez déjà, eh bien la fête aujourd'hui sera à son comble. Merci François et vous pourrez suivre cette cérémonie en direct sur notre site internet francetvinfo.fr à partir de 10h.